Bonjour, je suis Claire et je vous parle depuis l'Ocean Viking. La détention de 20 jours immobilisant le navire à Bari a finalement pris fin. Mais revenons sur les conséquences dramatiques du décret-loi Piente Dossi implémenté il y a un an déjà. 2023 a été l'année la plus meurtrière depuis 2017, avec plus de 3041 décès connus. Et pour autant, les navires d'ONG ont été détenus à plusieurs reprises et retirés de la zone d'opération. Ocean Viking a transité vers et depuis les ports éloignés pendant plus de 2 mois en 2023, ce qui a coûté environ 700 000 euros supplémentaires en consommation de carburant. Notre navire a également été détenu 2 fois en 2 mois. Au lieu d'apporter une réponse adéquate aux besoins humanitaires à ses frontières, l'Europe réagit en neutralisant ceux qui tentent de sauver des vies, conformément à une obligation légale en vertu du droit international. Cette attitude est inacceptable. Nous nous préparons maintenant à retourner rapidement en mer pour accomplir notre mission de sauvetage et ne pas laisser les gens se noyer sous nos yeux.